we are talking to them, giving them as much information as possible, because we want to try and ensure that by the time it gets to Monday, instead of people being shocked or angry or afraid, they are pragmatic, they know it's going to happen, they know there's nothing they can do about it, they are ready, and they just say, okay, we knew this was coming, it's time to go. On s'en va, on part de la jungle lundi, on part. Nous sommes soucieux parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que très peu d'informations. Ou plus exactement, les informations sont très générales. On ne sait pas exactement où seront ces centres d'accueil, combien de personnes. Est-ce que les amis vont pouvoir rester ensemble ou est-ce qu'ils vont être séparés? Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment choisir les régions ou les villes où ils veulent aller? C'est très confus, c'est extrêmement confus. Il s'en va. Ok. Alors je t'écoute, vas-y. Et il nous donne des leçons tous les jours d'humilité, de sagesse, de patience, de respect, d'accueil. Qui n'a pas été partager un repas avec les amis soudanais ou afghans dans la jungle ne sait pas ce que c'est un véritable accueil. Ça transpire, ça pue l'humanité ici. Quand on rentre chez soi, on a l'impression qu'on a pris l'humanité, la tendresse, des sentiments merveilleux pendant des années. Toujours le verbe s'en aller. Hein ? Demain, je m'en irai. Demain, normalement, c'est le dernier jour, puisque nous n'avons pas l'autorisation de revenir à partir de dimanche minuit, donc lundi matin. Donc, on ira jusqu'au bout. Et puis, peut-être qu'on dormira la nuit ici pour être, disons, quand même présent un petit peu en plus. Mais voilà. Now suddenly it has to go very fast. I accompanied some of the miners myself, and one of our miners is now in England, and one of the others too. But this is only a small amount of people that has actually made it to the UK. Mainly family reunification, none of the other miners in the camp. So to now suddenly trust the government, the French and the English government, that they will be taken care of, I think it's demanding a lot of them. The miners I know, I have helped to accompany towards the services and to register with the services. Some of them have refused. They're a bit scared. They want to see what happens first to the others. And I hope the others will take the same step and move on to register themselves to go to a legal and a safe way into England. We only hope that the English will actually take them in.